on parle de l'islam lui-même qui s'est radicalisé. C'est ça qui est problématique. Quand vous non, dites mais vous dites femmes... le voile, les femmes ont le droit de porter le voile. Mais allez, au Maroc, il y a 50 ans, les femmes, elles ne portaient pas le voile. Vous ne pouvez pas dire ça. Je veux dire, la non, mère du père de mes enfants, elle ne portait pas le voile. Aujourd'hui, elle le porte. Vous était en mini-jupe. On demandait à des Algériennes qui se sont battues pour pouvoir ne plus mettre le voile alors qu'elles sont par ailleurs musulmanes. Arrêtez de dire que les musulmanes veulent absolument porter le voile. Ce n'est pas vrai. Il y a énormément de musulmanes qui se sont battues pour ne plus le porter. Précisément parce qu'elles étaient laïques. D'accord. Je peux parler ? Oui, mais je veux dire, c'est facile de faire une confusion globale en disant c'est une résistance pour une femme que de porter le voile parce qu'elle est musulmane. Mais non, ça ne va pas de soi, je suis désolée. Excusez-moi, donc maintenant, on va juste replacer les choses dans leur contexte. Je rappelle tout simplement que celle, déjà de dire que les femmes, il y a 50 ans, dans les pays du Maghreb, ne portaient pas le voile, c'est faux. Mais il y en a beaucoup, elles ne le portaient beaucoup moins. D'accord, il y en a quelques-unes qui le portaient, c'était traditionnel plus que religieux. Excusez-moi, si c'est le choix de ces femmes du Maghreb, de porter un voile parce que c'est l'aboutissement de leur cheminée spirituelle. Qui vous êtes, vous, depuis Paris, pour leur dire tout simplement c'est une forme de régression et que vous n'avez pas le droit de vous porter... Sociologiquement, le voile soit abattu d'un coup d'un seul sur tous les pays du Maghreb, vous pensez que c'est un cheminement général, spirituel ? Excusez-moi, vous êtes en train de nier... C'est une lecture intéressante. Vous êtes en train de nier la possibilité qui est donnée à des populations du Maghreb... Mais je ne nie pas la possibilité, le fait de s'inscrire dans une tradition historique ancestrale qui veulent tout simplement être fidèles à leur tradition, à leurs coutumes et tout simplement à une lecture de l'islam. Ça vous déplaise ou non, ça n'est pas le problème.